Et au moins, après, nous finissons installés, prêter serment, installés, et au moins après 30 jours après, est-ce que au niveau du conseil là, nous gagnons un sentiment que nous, c'est bien, ou bien nous avons avancé à pas de tort? Non, nous pas qu'à dire que n'a pas avancé avec pas de tortue, nous pas qu'à dire que n'a pas avancé bien aussi parce que objectif en clair et faut que nous pardon, faut que nous bah, arriver à mettre pays rapidement et sur la voie de la stabilité et c'est ça n'a pas bataille chaque jour et pour nous capable faire donc n'a vraiment satisfait de avancer nous et lorsque nous va rendre nos comptes que tout le monde capable de circuler normalement et tout le monde quitter dehors capable d'entrer la caillou et les grands axes sont capables ouverts pour le monde capable de circuler normalement et là ça nous capable et gagner un degré de satisfaction et même sûr que satisfaction il y aura toujours retenir au niveau parce que tellement grand pile bagaille qui pour fait au niveau de pays donc il est pas facile mais n'a pas avancé quand même chaque jour. Mais qui Et sont... comme ça, comme l'autre avait dit, donc on a collé chaque petit bout ensemble, donc on a privé sans attendre. Tout à fait. Mais qui sont capables de dire action et président celle-là posée depuis un mois permettent-nous d'avancer dans l'objectif ça que vous souhaitez évoquer là? Donc ils sont capables de dire, parce que gagner du travail que conseil en fait population beaucoup. Pour Kokawayo, totalement. Et la première chose, moi, je l'ai toujours dit, et nous t'ai manqué communiquer. C'est peut-être une raison qui fait que je tiens à communiquer. Et deuxièmement, et faut commencer à poser pire ça pour capable arriver dans base ça. Donc, il y a des bagailles qui doivent être faites à l'interne, il y a des bagailles où commencer à faire, mais pour capable ouais jusqu'à ce que vous arrivez pour faire boum c'est même genre le ou qu'on a nos codes que moi par exemple ça donc les fonds construction quelque part et puis rien doit barrer les constructions à cap fait là personne monde pas jamais comme ça cap fait en dedans et puis finalement boum yo ouais et pour et parce que n'a pas avancé sûrement. Et pour nous capables, non plus du temps encore, et population a senti vraiment que notre travail et le travail que nous avons fait. Oui, mais en même temps, et c'est vrai que vous soulignez le droit de communiquer, et qui bah, a fait la population par ouais. Mais en même temps, il y a des bagailles nous capables de faire, population capable ouais, qui capable de nous la perception que nous avons travaillé. Par exemple, on prend des cadres normatifs et qui est pour avec et conseil là. Pour ça, jusqu'à journée, je veux dire là, un mois après, conseil là, pour que j'aime en mesure pour le publier, loi 4 balles, qui c'est accord et 3 avril là. Libre que j'aime en mesure pour le publier, projet de décret et parle là. Jusqu'à présent, la fonction projet de décret, puis forme de conseil, là, pas d'accord qui c'est rien qui s'y est, et c'est soudi, la fonctionner, c'est là le joint existence. Pour que ça, nous pouvons jamais arriver à publier un document qui officialisé, qui dit, mais qui est-ce qui a dirigé le conseil là? C'est Edgar Leblanc-Fils, Edgar Leblanc-Fils qui a dirigé le Kounia là. Donc, pour que ça, nous pouvons quand même faire premier pas ça qui t'apparaît pas trop compliqué. Et hier encore, nous avons eu un conseil des ministres tout récemment. Et hier encore, moi-même personnellement, et puis il y a plusieurs autres conseils des ministres encore, nous paraphé exactement ça aussi, et qui doit publier récemment dans le bulletin. Donc, quitte ces accords 3 avril là, quitte ces projets de décret. Et sur le projet de décret, et aussi bien que la résolution, Magique et rêve, qui terre parle donc nouvelle, de la assistance, question de sous-sabot. présidence. Nantes. Ok, ça faisait nouveau dans nos prestations déjà. Hier, on a paraphé, moi-même personnellement, je n'avais pas encore paraphé la résolution, et parce que j'ai quelques réserves, et gagné dans quelques réserves qui parlent encore. Vu que dévelé à ce que décret a, aujourd'hui décret a, que l'été harmonisé normalement et puis que Texas était capable de publier ensemble. Et d'ailleurs, de premier temps, j'avais cru comprendre que nous pas vraiment totalement en place, nous l'en déprend et question de présence tout notre lot, mais après, et dévelé que décret a, l'été capable en mesure pour le publier ensemble avec cette résolution. Donc hier, on a paraphé le décret.
et qui devrait publier incessamment. Donc, et puis bon, voilà, donc on a signé donc les deux documents. Il se pourrait que l'accord l'y vienne après. Et puis, bon, la question de l'accord, c'est vrai que l'est capable de publier dans le Moniteur, mais l'est pas là, bon, aussi, mais l'est pas obligé, yon, et publier. Ok, pour la question de l'accord, ça a commencé avec le gouvernement d'avant, et ou bien qui jusqu'à présent là, donc tu publies un accord, mais pas obligé selon la vie. Oublier du accord, septembre avec des exemples. N'est pas obligé, selon l'avis de cet expert, n'est pas obligé de publier, mais par contre, on peut quand même le faire. Mais ce qui est important, c'est le décret qui va être publié, et puis résolution que le Conseil avait prise sur la question de présidence tournante. Donc cela va être fait. L'hiver maintenant dans le studio, on se pose aux questions et parler et fort. Et mon des résolutions, conseiller final, résolution, on te gagné, des réserves là-dedans, et première version qui était sortie, il n'y a pas de signature là-dedans. Oui, je l'ai signé hier. Je l'ai signé hier, et parce que décret a et dans les avions, c'est que décret a été publié. T'es doué que même arrangement qui fait dans décret a, même ça que t'as dit dans la résolution, que les portées dans décret a normalement. Donc décret a été publié au moins ensemble avec lui, parce que y a résolution pas vraiment on bagaille qui contraignait pas de capable qu'on y a là à gagner en force qu'elle doit gagner sans décret a beaucoup publié. Donc des réserves ça yo. Donc vu que le décret va être publié avec la résolution, donc du coup j'ai signé aussi la résolution. Donc, résolution, ça, qui mettait majorité à faire passer de 4 sous 7 à 5 sous 7, et libéral permettre nous tout, est-ce que la banon assise légale tout cap fait que, si nous pas joindre consensus pour premier ministre, nous sommes capables d'aller directement au vote avec une majorité, nouvelle majorité, 5 sous 7 ça? Dès que le publié, Living Go Force en cadre légal, et oui, c'est là exactement le bralé. Mais faut moi dire que conseiller, président, il y a toujours ta plus de que ce consensus qui pouvait être établi. Par exemple, hier, nous avons trouvé un consensus autour de 5 à que nous gagnons qu'on y a. Donc, c'est ça. Donc, il y a plus toujours voulu opter pour consensus et qui est toujours plus bon, qui est toujours plus bon. Mais au cas où pas de consensus, donc il peut aller dans le vote. Et c'est laisser à ces 5 sur 7 là, une fois décrit à fin publié, cap valide. Ok, vous m'avez dit là, je ne dois pas comprendre. Et nous faisons consensus autour de 5 premiers ministères ou bien autour de 3 et finalement sur les 68 là. Combien était dans la coûte liste là? Ok, nous avons gagné une liste de 68 et monde qui était déposé dossier. En tout cas, vous pouvez comme toujours tenter que y plus d'une centaine de dossiers, mais tout ne pouvait pas des dossiers. Par exemple, ça t'est arrivé que Robinson a déposé un dossier comme pour être premier ministre, et puis il y a 10 monde qui voyait des lettres d'appui pour lui. Okay? Donc, lettres ça au papine, ils ont même constitué un dossier. Tu vois, donc c'est dans ce sens que nous avons gagné 68 dossiers. Et 68 dossiers paillots, selon à exactement ça. Il fallait que à 68 saillots, ils soient déposés par les institutions. OK? Et deuxièmement, il fallait que l'institution saillot même, ils a gagné une lettre d'adhésion, ils ont adhéré à l'accord du 3 avril. Il ne fallait pas aussi que les candidats les déposer un dossier contre des candidats, pas de candidat pendant, ou bien non, institution qui vaut rien. Okay? Donc, les nous fin fait analyse toutes 68 dossiers, nous venons nous compte que tu gagnais et là, nous avons des candidats indépendants, automatiquement candidats indépendants, et yo aussi météo de côté. Et par la suite, nous avons regardé qui est-ce qui gagne l'aide d'adhésion. Et dans ce sens, tu as en liste déjà des organisations qui voyaient, qui t'ont envoyé l'aide d'adhésion à l'accord. Et là encore, nous ne parlons pas seulement des lettres là, des listes là. Alors,
nous t'es obligé de garder chaque grain de dossier séparément pour voir si toutefois les pas gagné, si mon n'a pas fait institution ça, secteur ça qui déposait un dossier, a, si non le pas sous liste là, est-ce que nan, en dedans dossier là, pas une lettre d'adhésion quand même? Et en ce sens, on te joigne et plusieurs dossiers qui gagnent lettre d'adhésion là, yo, nous te joigne aussi plusieurs autres qui gagnent qui figurent sous liste des institutions et secteurs adhérents à la part. Et tout ça qui gagne l'aide d'adhésion là-dedans, yo, ah ben, c'est mettez yo à de côté automatiquement, yo pas répondre, nous mettez yo de côté. Et les motines fait tout par rapport nous devons traiter 23 dossiers. Nous devons traiter 3 dossiers. Et 23 dossiers, ça, ils ont passé l'autre examen encore, à savoir, est-ce que, Kounye a là, ça a respecté des normes, est-ce que les gagnants, des certificats de nationalité, ou bien les gagnants, si ils ont passeport, les gagnants, là-dedans, est-ce que, et tout, c'est des bagailles pour être capable de gagner là-dedans. Et là, nous finissons faire tout ça, yo. Et nous venons rendre nous compte que nous avons utilisé deux types de scores. Ok, si toutefois que, mon a gagné tout ça qui, yo. Non, si toutefois que mon n'a pas gagné, et par un point d'interrogation, toutefois, information, il n'est pas en dedans le dossier. Donc, bien sûr, si mon n'a pas exemple, a gagné peut-être des CPG, il n'a pas gagné tribunal, il n'a pas gagné TPI, si toutefois qu'il n'a pas gagné une preuve d'adresse, si toutefois il n'a pas gagné et aussi et ça ne te cas pas brûlé s'il n'a pas gagné un côté exactement prouvé qu'il gagne un côté exactement qu'il était, eh bien ce qu'on a fait, nous contrôler tout ça yo, et le monde qui fait plus score yo, nous qu'un bello, le monde qui fait il y a un score qui est en dessous, except de ça, non rejeté. C'est en sens que dans les 23 dossiers restants, nous avons 10 dossiers qui pas répondent ni avec critères d'éligibilité, ni avec les compétences professionnelles que nous avons cherché et la CAI et les candidats. Donc, c'était 13 dossiers et 13 dossiers, c'était Jean-Hector Cassis et Fritz Bélizer, Paul-Antoine Bien-Aimé, Pierre-Michel Brunach, Marie-Denise Claude, Gary Conning, Didier Fizembe, Gérald Germain, Rodolphe Joisil, Jean-Antoine et Mathias Loréus, Smith Mani, Isoui Théophile et Wilner Valsin. C'est 13, non, ça n'a aucun intérêt. Et maintenant, forme nous dire que c'est en commission que tu travailles sous un dossier et t'es notre tête commission et puis t'es Raymond Gentil qui était là aussi et puis t'es Maître Logus et Carceus qui était là et Raymond Gentil surtout ma équipe et conseiller et puis au bureau Leslie Voltaire et puis Logus Carceus est attaché au bureau de Maître Vertilaire. Et normalement. Et puis voilà, donc c'est comme ça, nous venons retenir 13 dossiers ça y est. Et sous 13 dossiers ça y est, nous disons, OK, maintenant ces conseils-là, totalement, au grand complet, qui prennent traiter ces 13 dossiers. Et voilà, donc nous avions réuni hier et après-midi, donc en ce sens, et mon autre dossier ça a, et par consensus, parce que tout conseil était là-dedans, moi-même j'observais, donc il y a eu 3 noms par consensus. 3 noms ça y est. C'était Iconi et Alex Diéphizémé et puis Fritz Bélizer par consensus. Et après 10 noms restants, il y a eu le passé au vote sur eux. Et dans le vote là, où t'as pas gagné Anna Cassis, qui t'a gagné Yonvoi, où t'as pas gagné Paul-Antoine Bien-Aimé, qui t'a gagné et lui-même et 4 voix, où t'as pas gagné Gérald Germain, qui t'a gagné 3, et pour t'as pas gagné Rodolphe Joisil, qui t'a gagné 3, et puis tout l'autre candidat, dans 10 là, y'a pas de monde qui t'a voté pour yo. Et pour nous, t'as pas besoin de gagner à la de non sérieux, on s'est dit que Paul-Antoine Bien-Aimé, puisqu'il était guetta gagné 4 voix, il était guetta qualifié pour le parmi 5 mondes sérieux. Et puis, entre Gérald Germain et Rodolphe Joisil,
On va le faire une deuxième partie, ça décarouille le deuxième tour, pour nous voir qui est-ce qui a fait plus voix, qui était loué parmi 5 mondes qui a retenu, et pour, dans liste là. Et puis, dans le deuxième tour, nous t'es joint, Gérald Germain, qui a gagné une voix seulement. Et puis, Rodolphe Loisil, qui était lui-même venu passer à 5. C'est ainsi que nous venons retenir à 5 mondes saillots, et, Fritz Bélisère, Paul-Antoine Bien-Aimé, Carrie Conny, Alex Diéfizé, et puis Rodolphe, vas-y. Mais ça peut pas finir, ça peut pas finir. Ah. Qu'on y a là, l'hiver, avec le conseiller Frinel, Joseph, nous allons regarder pour ce clan, qui mécanisme qui va mettre en place pour choisir le monde qui doit venir pour le ministre. Parce que depuis ce maintenant, depuis ce maintenant, ça a fini là, il y a plusieurs conseillers présidentiels qui ont parlé avec le journal Nouvelliste, qui t'ont dit à ce journal là, week-end n'a pas fini, semaine n'a pas fini, et pour qu'ils n'aient pas choisi un nom, au moins pour pays capable de connaître nom qui sortit dans la liste tout le monde qui a posé candidature pour venir au ministre, pays à connaître pendant le week-end. Est-ce que nous toujours qu'aimer week-end pour tout le monde connaître et qui non, quand venir au ministre, conseiller Joseph? Travail là, t'es difficile et commission t'es obligée et proposer ensemble avec conseil là et pour le cas fait bien permettre que population connaît de préférence et 5 mondes et que premier ministre en parle sorti dans l'IO dans l'IA mais à grand monde qui cap premier ministre qu'elle beaucoup connaît elle dans week-end là. Donc c'est et nous voulons aussi que population connaît moun sa au plus tôt. 5 mondes ça au plus tôt. Population c'est pas seulement conseil là qui fait choix mais que population tendez moun sa yo. Et c'est en ce sens que mardi si Dieu le veut, nous avions prévu pour nous capables de rencontrer 7 premiers ministres absents ensemble. Et côté que non seulement les n'a pas rencontré a gagné et au moins 2 journalistes seniors cap là et ensemble avec nous conseiller là à plateau complet en tout cas je le sais. Et puis Mounsayo a plat Télévision nationale d'Haïti a plat Presse, Bureau communication par les nationales là, et puis, moun sa yo yo même, ah ben, nous pral font titande yo. Nous pral font titande yo. C'est comme ça, au moins, que pendant un temps, Yo. le journaliste sa yo a posé une question normalement. On sort de débat, on sort de débat, bref, On sort de débat, on sort de débat, mais journaliste a posé une question normalement, et n'ap tande yo, et conseil la pchita là, conseil la pap gepouti yo, rien. Et conseil la seulement, à noter, à scorer exactement une après l'autre et suite ensemble avec et débat ça, suite ensemble avec présentation ça, avec conseil après le réuni après et puis soit consensus ou pas pour dire mais qui monde que Ok. yo choisi. Ok. On peut capter le regard, dit, mais pour que ça, pour ça, conseil a décidé compliqué situation comme ça pour le choix d'un premier ministre. Parce que, en fait, quelqu'un qui passe là, qui vient comme premier ministre, il a déjà fait des routes tout tracées comme ça. Il n'est pas parlé pour inventer grand chose. Il n'est pas parlé pour inventer rien. Il est prêt. Faire des routes claires dans la côte là, qui dit, qui détaille, étape par étape, mais ça, il y a un premier ministre qui est pour le faire. Débat ça va permettre nous, ça va permettre nous, ouais, dans chaque ça. Oui, il y a un monde qui a dit ça, vraiment. Et, parce que qu'on fait les autres qui déjà tracé, puis choisir un premier ministre, et puis la plus c'est ça, comme ça. Mais conseil là, on vit tout, que population, avant même qu'on choisisse un premier ministre, lui connaît, qu'est-ce lié, que population tendait le dos. Même si population pas qu'a dit directement, mais mon livre là, mais population d'abord, lui tendait, mon ça, qui pourrait diriger le gouvernement. Donc c'est en ce sens que nous voulons que fait ça pour population qui attendait, mais aussi des journalistes seniors, des journalistes d'opinion. Ils sont capables aussi en mesure pour être capables de poser Mounsa aux questions et attendez aussi qui pourraient être capables qu'on y a là et fait tout le monde connaît mais qui est Mounsa. Parce que ça sont plus que liés et liés importants pour ça de fait comme ça. C'est vrai que c'est un week-end dans le conseil que le premier ministre, mais
2 jours en plus, nous déjà bayo 5 moun yo, c'est dans l'ISA quand même la sortie. Ben 2 jours en plus, OK. papa totalement campé pour ça. Nous pensons que d'ici mardi, dans la soirée, le nom du Premier ministre va. Et permet que beaucoup dit qui est sûr et totalement que capable 2, capable 3. Et les noms sont déjà là. On est en train de les contacter pour nous parler ensemble avec nous. Parce que, et puis, dès que vous finissez accepter totalement, et on a fait nous connaître. Dernière américaine qui a une position, nous accueillons l'information selon laquelle le Conseil présidentiel de transition d'Haïti a entamé le processus de sélection de Premier ministre et nous attendons avec impatience un processus transparent qui permettra à Haïti d'avoir un Premier ministre et un gouvernement de transition sélectionné sur la base du mérite technique et de l'impartialité. Réaction sur ça, s'il vous plaît. Normalement, c'est ça, et conseil là, en tout cas, d'après toute écoute ensemble avec eux, c'est ça, conseil là, et les faits choisis, le Premier ministre, dans la même logique, ça, dans la même dynamique, ça. Et rôle, en tout cas, membre observateur, là, et représentant du groupe de la société civile, c'est ça, n'a pas mené ensemble avec eux. Dieu veut, tout le monde a connu le Premier ministre. Et là, on va parler sur la sincérité de processus là. Parce que moi, j'ai information tout, j'ai quelques informations tout, nous mettons au niveau du conseil là. Nous soulignons il y a une répartition de grands chantiers de l'État entre différents membres conseil présidentiel. C'est vrai que nous avons parlé avec un membre conseil là qui débat nous quelques informations. Et là, bail à pays, à public, à auditoire noir, des informations sur ça, nous voulons des grands chantiers et comment les distribuer et comment capable, comment on a évité, ou tout au moins, c'est ce que nous n'avons pas évité ça, pour que tu aies un mélange avec travail, pour que tu aies empiété, pour me dire mieux, sur le travail gouvernement a gagné et pour le faire. Parce que là, moi, ouais, gagné un bon chantier, qui c'est des bagages qui relevaient de ministère, par exemple, on prend santé, justice, et économie, et c'est des bagailles qui relèvent de sécurité, c'est des bagailles qui relèvent de gouvernement. Expliquez-nous partie ça, comment chantier ça répartit à mon conseil là, et qui gens y aura à bientôt ce travail gouvernement. C'est des bagages relevés du gouvernement, certes, mais le président de la République est toujours au courant, éveillé, en bonne marche, toute institution, et quel que soit ça qu'a fait notre pays pour la stabilité, pour permettre que le pays avance. Et en ce sens que plusieurs chantiers pendant temps de transition et qui doit bout le 7 février 2026. Donc, en ce sens, c'est le Conseil qui fait office de président de la République. De la République. Donc, chaque conseiller gagnait et un chantier que des chantiers que le responsable et que l'IPRAL coordonnait ensemble avec le gouvernement. Si tel ministre connaît que puis devant du gouvernement la travaille sur tel bagaille, donc si toutefois que la bien vous le contactez par résidence dans l'ensemble, ça, hein, eh bien, la contacter tel conseiller président qui pour faire pont ensemble avec lui, ensemble avec présidence là. Tu vois, donc, dans ce sens, nous a attribué des chantiers ensemble avec des conseillers, par exemple, ton serviteur, nous, on a chantier élection et conférence nationale, aussi bien que dans les fermes conditionnelles, c'est dans ça que nous y est, ensemble avec le conseiller président Edgar Leblanc-Fils, aussi bien Smith Augustin, Donald Anayo. Donc, c'est pour nous faire le pont entre conseil-là, avec gouvernement, mais en aucun cas, et conseiller président, pas le gain pour passer et gouvernement derrière, pour vous dire comme ça que c'est moi-même qui fais tout ça. Non, 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 non. Nous pas le cas. Mais qui ça travaille nous pas assister et parce que nous responsables chantier ça. Ça travaille nous pas dire. Travail là, et pour pas gagner aussi, make sure que eh ben, tout ça exactement que le gouvernement a fait, il fait dans le cadre.
Exactement, tout ça que nous établissons, fait de route que nous établissons, et pour faire supervision, fait de route ça, et c'est le conseil qui joue, qui fait office de président de la République, ben, a gagné pour être capable de voir chaque fois ensemble avec le gouvernement, est-ce que tout va bien? Tout va bien. C'est dans ce sens. Mais nous pouvons comprendre que c'est le gouvernement qui va gagner tout le travail pour le faire. Ok. Et si me reprennent, parce que t'as mon petit cas dit, si me reprennent, ensemble avec le gouvernement, chaque chantier ça haut, nous allons regarder comment il a évolué au niveau du gouvernement, chaque chantier thématique ça haut. Et oui, exactement, parce que laisse-moi vous dire une chose. Ça, on connaît. Gouvernement a transition vont faire de normalement. L'étape vraiment très difficile, et puis pour conseiller la justice, et puis il pas superviser ça qu'a fait, on est ça qu'a fait là. Et le rôle du président de la République, c'est ça même. C'est veiller avec tout respect norme, et à bonne marche institution, et tout ça qu'a fait. L'étape vraiment difficile pour nous juste arrêter, pour ne pas faire rien même du tout. Et comme bagaille en pile, et faut pour avancer là normalement, et 9 conseillers présidents, nous obligés de partager. Et en façon, pour nous Oui, capables de veiller sous ça, chaque on a en veillé même à temps, tu étais dans supervision dans chaque détail. conseil des ministres, et vous êtes là pour permettre nous, et à chaque fois, de réunir avec les ministres pour que nous soyons capables de garder l'évolution de tout dossier au niveau du conseil des ministres. Là. Oui, exactement. Même les nouvelles font conseil des ministres. Et pour parler sur tel dossier, ils ne parlent pas sur tel dossier. Ou tu vois, avant même conseil des ministres, si un conseil là doit au courant sur le dossier, il y a un monde qui doit parler ensemble avec le ministre. Et qui dit, parce que le ministre n'a pas besoin d'attendre comme si tout conseil va aller sur le besoin d'information. Si un conseil a besoin d'information sur question élection, ben, je connais que c'est Frinel Joseph qui a bâillé information ça. Et bâillé information ça, c'est Frinel Joseph seulement qui est capable d'aborder et gouvernement dans ce sens-là. Ou pas besoin de conseiller et qui peut parler ensemble avec chaque monde ou le gouvernement sous telle ou telle question, sous besoin des informations. Si le conseil a besoin de des informations sur les grands chantiers économiques, eh ben, je connais que c'est pas chaque conseil qui a besoin d'aller les gouvernement sur la question de l'économie. C'est Fritz Jean qui a droit à ça. C'est une façon pour nous Et capables bien avec Laurent Cécile. de c'est une façon OK. pour nous capables de gérer les choses et permettre que bagaille yo fait bien et nous capables de garder au rôle nous aussi et quitter le gouvernement dans le rôle. Mais il faut gagner et quand même type d'avis pour ne pas brouiller bagaille. Tu vois, Par exemple, chantier mais qui vient pour avec. c'est pas dans aucun souci, c'est pas dans aucun souci du tout pour à substituer au gouvernement. Jamais. Par exemple, chantier qui vient pour avec sécurité, Yosim, c'est Leslie Voltaire, c'est Laurent Cessy et c'est Emmanuel Vertilaire qui vient pour occuper chantier ça. Quelqu'un pour ensemble collaborer ensemble avec les responsables et, au niveau des institutions, des forces publiques et du gouvernement qui cap gérer les questions ça. Mais Chantier écoute, qui doit, moi, y a, si le conseil l'a réuni, moun qui doit bailler information sur eux, qui doit bailler, dit comment ça a marché, mais comment ça a marché, c'est moun ça, parce que c'est eux-mêmes qui ont contact ensemble avec, au niveau du gouvernement, c'est les questions qui ont réglé ça. Chantier qui vient pour avec justice, nous c'est Emmanuel Vertilaire, ancien juge d'instruction, qui a donné. Vous confirmez ça? Oui, il confirme. OK. Et puis Frédéric Joseph et puis Edgar Leblanc fils, ce sont là, et nous en forme constitutionnelle. Alors, non seulement, alors, il y a quelques bagages que, parce que lors du conseil des ministres, on s'est fait passer communication, on était capable de connaître, mais qui est-ce qui est responsable de ça, mais officiellement, il y a une note qui nous est sortie, qui dit comme ça que, mais qui est-ce qui a supervisé tel chantier, tel chantier, tel chantier. Et en ce sens, c'est pour cela que je vous ai vendu la mèche. Les questions, les chantiers élections et conférences nationales, c'est Frinel Joseph. Et la question des réformes constitutionnelles, c'est Frinel Joseph, Edgar Leblanc, et puis Simi Copistin. Question santé, je dis, c'est docteur Gérard Gilles avec Régine Abraham, qui va bien pour résoudre, pour appeler la question chantier et santé. Aussi bien que sur la question de l'environnement, vous allez retrouver Gina Abraham.
Il y a quelqu'un de ça, et collègue ou Luigi Radjil, qui était sur radio à l'ensemble avec nous, il t'a parlé de comment cabinet de série là. Et il te laissait comprendre, déjà, en fonction de l'orientation conseillère, il y a déjà des ministères qui peuvent attribuer ensemble avec eux. Des ministères, bien sûr, des ministères peuvent attribuer ensemble avec eux. Tu carrément des exemples. Et déjà, il te prend tête lui, en tant que médecin, et il parle l'autre monde là, qui lui-même qui parle pour prendre orientation ministère, ça. Et c'était l'autre encore, et économie et finance, il te parlait de Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur, et ça qui est pour avec infrastructure, c'était Leslie Voltaire, en tant que architecte. Et, au cas de me continuer avec ça, s'il vous plaît. Le conseil présidentiel de transition pour co-officiellement acté sur cette question. Mais par contre, chaque conseil président, de façon que il y aurait question, et puis, la débat normalement au conseil, et consensus la joindre. Mais le conseil présidentiel de transition est pacté sous question ça, j'en dis là, où je vais pas conseiller président Gilles, et où elle t'a fait là lui-même. Donc, parce qu'il va venir avec sûrement façon que la façon que il la conseille et conseille la statuer sur lui. Mais ça propos, on va pas dire rien sur lui parce que là, je ne le connais pas. Pour ça, à tout permettre, moi, rentrer ensemble avec vous, après, on n'a pas le conseiller présidentiel, Frinel Joseph, qui est ensemble avec nous là. Pour ça, à tout permettre, moi, Excellence, venir sur le point qui est pour avec constitution cabinet ministériel là. Là, on se détaille pour nous, mécanisme, nous, t'es fait pour nous sortir dans liste, qui dégaine 68 candidats pour nous tomber à 5. Et mardi, on a privé avec un nom dans ce plan qui a bien pour une premier ministre. Et on te dit au départ, c'est consensus nous va prioriser, consensus entre les membres du conseil, nous va prioriser. Si ça va arriver, nous va arriver bien, consensus nous va aller par vote avec une majorité de 5 sur 7. Maintenant, sous constitution cabinet ministériel, là, comment nous va procéder? La loi claire, elle va dire que le conseil présidentiel, le premier ministre, Yoshi ensemble est plus capable de monter et cabinet ministériel. Donc, c'est en quitter premier ministre là, fin connu, normalement, et le ça, conseil là, Alchita ensemble avec premier ministre pour monter gouvernement. C'est comme ça qu'on va le faire. Ok. C'était. Moi, tout n'a pas pour nous consulter le secteur. Oui. Non. Non. À quoi toi, Villa? Nous avons bien ça? C'est consultation, mais de rentrer pour monter gouvernement, c'est le Premier ministre ensemble avec et le Conseil présidentiel qui fait office de président de la République. Et, mais normalement, chaque entité et conseil là, il y a tâché ensemble avec et secteur. C'est normal que quel que soit ça qu'a fait, et les secteurs seront en ce sens. Maintenant, puisque une structure qui permet de nous avancer réellement avec la question à ce gouvernement, là, nous en face pour une jeune premier ministre, et selon ce que dit là, la sortie mardi, qui est nous bête, nous là, pour que nous gagnions un gouvernement constitué et puis nous bête. Aussi rapidement, aussi vite que nous finissons à communiquer et nommer officiellement, eh bien, le SAR et la PCHITA ensemble avec conseil pour nous capables faire gouvernement. Avant nos libéraux, nous voilà ce week-end, c'est temps pour passer avec Capitaine, ça là aussi, Capitaine, nous parce que il y a quelques travaux qui doivent finaliser. Et oui, elle est possible exactement que nous rencontrions aujourd'hui. Yonamagaï conseil à te promettre. Au départ, l'idée première population, c'est transparence. Et là, et nous te prenons conseil là, au mot, nous avons parlé plus transparent que le gouvernement d'a dénoncé, à, qui c'était le gouvernement Ariel Henry, qui a dénoncé qu'il n'y a pas de transparence. Et toujours là, conseil? Donc, je suis là. Oui, Ok, question est ok. Ok, bon, dis une bagaille que nous promettons, le conseil président, ça te promet au départ, c'est transparence, sur façon de fonctionner, parce que nous t'estimons pas de transparence, ni sur le gouvernement qui était là avant Ariel Henry et Jovenel Moïse, et pas de sur Ariel Henry, et nous te promettons pas de transparence. Au nom de cette transparence,
la communication commence à faire notre défaut là, et avec les conseillers là, au nom de transparence, ça, nous promettait au départ là, là, quand on a posé question, et au deuxième niveau, on a demandé où, sous privilège, puisque nous avons la logique de la transparence, sous privilège avec avantage, et que les conseillers présidentiels et bénéficiaires là, et quitte à, entre guillemets, marqué avec stature. Un petit village, je pense, ça, sous paix. Ce que je fais aujourd'hui, donc je voulais rendre lisse et qu'on ait une démarche qui était faite pour vous et gagner un porte-parole rapidement d'ici semaine prochaine, qui a connu, et pour me pas dire qu'elle ça, mais connu officiel. Les prêts gagnés pour communiquer ensemble avec et presse là et toute opinion publique là, toute population, tout ça qui a passé net en dedans conseil là. Tout ça qui a passé net en dedans conseil là. OK? Donc, information ça, yo, m'a demandé tant pis, tant pis, m'a demandé pour le capable d'entrer en contact ensemble avec vous à la minute même qu'elle finit et pour le capable bah, yo, parce que écoutez bien, entre ça qu'a dit Déoa, avec exactement ça qu'a fait, bagaille qui, que nous-mêmes, nous pouvons même connaître. Mal bon petit exemple, ça, mais pas poser une autre question pour le soli. Pas poser une autre question pour le soli. Ce n'est qu'avant hier, ce n'est qu'avant hier, il a un rôle beaucoup totalement acté. OK? C'est ça, fait me comme ça que tout à l'heure, d'après un peu déclaration définitive, déclaration du patrimoine, des informations, des informations seulement que vous pouvez insister, vous déjoignez, mais là encore, pour totalement acté, à savoir, quel est le salaire d'un conseiller président. Vous voyez? Donc, bien, il y a un cap d'idée que nous-mêmes, personnellement, nous pouvons même toucher d'ailleurs, nous pouvons même courir à peut-être d'ailleurs. Donc, Donc, à ce niveau, conseiller, au bon moment là, faites péché pour vous, vous courez chaque fois. Mwel do klem ke Salem mkone la voyer. Pemek di pa jouni mwen 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 Zin ta nou a de Apo ap zin kope salè a e Konseye ou la? Ou la? Oui, je suis là. Ok. Oui, non, mwen jouni mwen tounou la. Kato zin kope salè a e chèk a devan jou la. Non, je sais pas parler de vingtième parce qu'il y a beaucoup de chèques là. Où qu'on est? En tout cas, bon, nous, clairement, yon salaire à au conseil présidentiel, entre 200 et 225 000 gouttes. Ok. Maintenant, nous connaissons l'administration publique là, et ça, là, c'était toujours. Et sur la question de. Et sur la question. Mais c'est jamais de la gonce des barrières qui pourraient jamais acter, et même la question des salaires, c'est ça fait de entre 200 et 227 000 gouttes. Et mais il y a des bagages et tout, qui gagnent la parole, parce que chaque monde gagne ligne par eux, en ce qui a trait ensemble avec, soit des privilèges ou bien de ça, ou bien toute l'autre, oui. Qui bon que, par exemple, si vous parlez ça ensemble avec le conseil président, le conseil président Laurent. Qui, eux-mêmes, à un nouveau conseil là, doué, jouer rôle vis-à-vis entre ministre finance là et trésor public là, dans ce sens-là. Donc, parce que nous pas avec Mbaou, des informations, qui passent là. Et oui. Lorsque nous faisons la parole là, tout d'ici la semaine prochaine, et vous aurez toutes les informations, mais permettez okay. que, moi-même, pas Mbaou, parce que m'pas gagné, parce que m'tape travaillé aussi bien spécifique. Et c'est ça fait que toute question sur l'ambition pour répondre au lit, mais chaque Ok, fois, je vais répondre sur on va bien terminer. un gros mot sur ça, sur le porte-parole là, qui est pour le. Tout est pour Oui, c'est quelqu'un que je connais très bien, mais permettez que me pas de nom, on va connaître officiellement. Ok. Et bon, on apprend parce que c'est les gens qui ont parole, nous allons parler ensemble avec lui. Certainement. Mais rapidement, nous abordons un dernier point. Bon, c'est ce point ça.
Sous tout ça, sous ça, yon conseiller présidentiel gagne comme privilège, comme salaire, et sous promesse, c'est pas tout à fait tout, et quand pile question qui posait sous ça, parce que la perception, et en Haïti, souvent perception qu'on révèle comme des faits, des bons mon vivent dans le niveau ça, et yon très tôt, ouais, on presse, là, on parle français, il y a d'autres monde qui dit, ouais, pis, maman, ben, Fernand Bouchot, ouais, pis, ouais, pousser, des pour arriver dans le niveau ça. Et il va de bout d'un poste ça, qui pour expliquer, si, maman, là, Fernand Bouchot veut, pour expliquer différents avantages, et salaire, etc., et ils rejoignent dans le gouvernement. Parce que, en principe, il y a un poste qui marchait avec les privilèges, ça n'est pas capable de regarder ça. Parce que là, on connaît, et chaque conseiller, il y a 3 machines à la disposition de lui-même, on blindé, et puis de l'autre machine, il y a un cabinet, et policier, cabinet de sécurité, et la donne. Fonction, obligé que il y ait c'était privilège. Là, peut-être qu'on ne dit pas de problème dans ce sens-là, mais on ne dit pour ça, il y aurait toute machine, ça, et il y a 9, on multiplie 9 par 3, ça bon. Ça bon flotte de véhicules considérés de police, tout ça qu'on m'a posé comme question, mais tout comme il y a des explications qui viennent, qui marchent ensemble avec eux. Et ça fait ce rôle, et monde qui est capable de dire GPIA, qui est dans le conseil président, c'est là pour porter explication à la population. Ça, on va gagner un peu au cachet. Il faut dire Et ça, c'est ça qui fait on va que. gagner un peu au cachet. Et des fois, tu réponds qu'il y a des privilèges, des avantages, qui comptent tellement monstrueux, qui comptent tellement pas qu'aucun sens. Ça fait qu'on a des difficultés pour prouver ça, pour justifier ça. Et ça fait souvent qu'on cache ça. Bon, si vous m'avez voulu dire ça, avant de regarder les forces multinationales. Ça fait que gagner une parole qui va gagner pour toute information, ça. Et même plus encore. Parce que le conseil n'a rien à cacher. Et même plus encore, pour le groupe de parole qui est capable, en mesure, pour faire le point sous sa haut, puis les vents, ensemble avec, et presse là. Pour make sure que tout le monde, en tout cas, est plus capable de connaître certaines informations, ça, on le connaît. C'est normal. C'est normal. Donc, on met un petit patience, et tant pis l'information, on va pas venir de nous, et conseil, on communique plus vite et plus bien à travers parole, ça, que parler. Et dans un couplet. Maintenant, sur la mission, moi, ce matin, nous disons rencontrer avec la délégation canadienne. Quel niveau d'implication concerne la guerre sous planification pour force l'avenir? C'est le journal d'Haïti qui lui-même a fait ça, coordonner activité, ou en tout cas, toujours gain rencontre ensemble avec, gain rencontre ensemble avec la délégation qui vient de venir. Et par contre, la police nationale, on devrait être capable d'informer le conseil de tout ce qu'a fait. Et c'est ce sens que nous avions entré avec non seulement la police nationale, les responsables de la police nationale, aussi bien que délégation ça qui était gain 6 mois la dernière de rencontrer pour être capable de faire nous connaître dans quelle phase, comment il a avancé, comment ça y est et comment aussi qu'on se fait là capable de on sans ça. Mais nous laissons donc à la police nationale de bien jouer son rôle et qui nous a et qui qu'aime nous informer attaque et de la force. Donc c'est ça. Maintenant, sous point ça, tout le monde, nous venons pour nous mettre campé au Conseil national de sécurité. Et là, il y a un signataire à quoi, Montana, t'as pas l'impression pour nous mettre Il était prévoit déjà, il était prévoit déjà, et chaque organe qui gagnait un des accords là, parce que accord là, c'est d'abord, ils ont acte, et toute force, ils ont mettait en, et toute entité, ça, on s'est intégré ensemble, on était capable de faire, et nous pas capable, c'est outre de lui. Non, ça, madame Cham, et madame Cham, d'accord, moi-même, pour moi, c'est outre de lui. Chaque ça qui était prévoit, non, et encore là, non, seulement. Souvent, vous venez à nous croire que de temps en temps, et au besoin de temps en plus, l'on comprend que tel bagaille, ou t'as pas le faire dans 2 jours, et vous venez à nous croire que ou besoin 3 jours pour faire 3 jours. Mais non, Chaque bagage sur ce national-là, sur le national de sécurité, il y a un conseil national légalement qui existait déjà, et non, il crée président de celle qui est
sorti 6 janvier 2021, qui était publié dans le journal officiel de Moniteur, soit l'administration Jovenel Moïse, et Conseil d'État, le Conseil national de sécurité et de défense, qui était sorti dans décret qui était mis campé tout à l'Agence nationale d'intelligence. Donc, légalement, Conseil national là, il existait déjà, et il y comment pour les constituer. Nous pas jeter un petit coup d'œil sur le décret ça. Tout ça qui doit être fait dans le niveau conseil là, et garantie que nous sommes capables ensemble avec la population, et tout le monde net, c'est que la fête selon les normes et selon les. Ok? Donc, nous ne pouvons pas rien derrière. C'est pas un bagage comme si nous avons conseil ça à venir, et puis nous disons que c'est tout ça qui est fait déjà, et puis nous ne le faisons pas non. Tout a fait selon les normes et selon les lois, normalement. Ou non, c'est pour permettre que si derrière, il y a une institution, pas de marche, si il y a un bagage qui pas fonctionner, c'est pour nous capables de nous à comment nous avons fait fonctionner. Est-ce que pendant qu'on y a pas nous pas regarder comment on a fait fonctionner, gagnons un petit peu, mais que nous devons faire dans l'eau. Parce que nous devons faire le constitution de l'IA, c'est seulement si son machine fait service là dans les pubs avancés. Comprendre, est-ce que nous devons changer, si c'est bon chauffeur, est-ce que nous devons changer chauffeur, si c'est bon chauffeur à droite, est-ce que nous devons changer chauffeur à droite là pour permettre avancer. En tout cas, tout ça qu'a fait, l'a fait sur les normes et selon les lois pour qu'on va permettre que je puisse avancer. Nous allons là. Nous pensons que madame va finir. Vous pas fait même d'oubli. Nous finis. Nous pensons que nous ne pas aller au-delà de 7 février 2026. Nous pensons que ça a joué le cas. Ça a tout été le cas. Et chaque jour, moi-même personnellement, me rappeler à plusieurs reprises avec conseiller président, parce que c'est mon rôle de le faire. Et donc, bataille chaque jour pour ne pas briver et ça. Et je nous ai dit là, voilà, je nous ai dit dans le texte, et le conseil n'est pas capable de prolonger le mandat. Donc, il faut que nous fassions tout ça pour nous faire, pour nous capables de briver dans le thème ça. Et notre thème 7 février 14, c'est mité yon à président élu normalement. 7 février 2026. Ben, peut-être avant d'aller, on précision, ou bien pour M. Joseph, déjà un petit détail par rapport avec ça. Gagné conseiller présidentiel de Sylvie Voltaire pendant la semaine qui est dans le micro 24 qui te dit que c'est pour. Alors, c'est police nationale à quoi l'engager contre gang et que force en l'abdé là, pour faire un accompagnement, peut-être formation avec, policiers nous, et qui réagit seulement si on attaque, ça qui, on t'y contraire avec, déclaration président Ruto, pendant visite des États-Unis. Est-ce que, au sein du conseil, nous discutons sous contenu, résolution 2699 là, et est-ce que nous d'accord sous lui ou bien est-ce qu'il y a de conseillers qui n'est pas d'accord avec lui, Monsieur Joseph? Solution, tout le monde connaît déjà, et chaque phase dans la résolution, chaque ça qui dit dans la résolution, c'est lui-même qui a fait pour le fait dans le cadre et mis dans sa capinière. Ça qui est dans la résolution, c'est lui-même qui a fait pour le fait. Mais dans le cas ça, et conseiller pas maîtrisé. Ah, ok. Oui, alors, dans le cas ça, on a dit, mais conseiller peut-être non, pas. Non, filmer des précisions, on va filmer des précisions, il y a. Oui, mais dans le cas ça, allô? Oui, non, oui, c'est assez clair, c'est assez clair, voilà. Merci. D'accord. Merci, merci pour votre disponibilité. Nous passons de passer le temps là. Merci pour votre disponibilité. Merci. Bon, ok. Baudet qui prend la parole souvent, qui parlait oui. Dans le micro souvent, sauf l'aime l'église. mais c'est important pour nous être capables de faire ce bas de bouche, ça, je veux dire. Et pour la population, on est capable de connaître, et surtout pour la question de Premier ministre, et passer, et que nous y ait qu'on et qu'on y ait. Mais que bon Dieu venir nous, que bon Dieu venir ici. Voilà, et conseiller présidentiel, Frinel Joseph, qui t'a abordé plusieurs points, il n'a pas de cas à répondre, il promet pour que réponse survienne, et merci à tout le monde à suivre, avec question à nous poser là, qui est très intéressant,
Et il y a des questions que nous posons, nous comprenons que nous ne pouvons pas poser pour nous, parce que nous comprenons que nos frustrations, certainement nous, dans la question, c'est un débat de type, c'est mauvais. Et dans la question, parce que nous avons un résultat, même ça, c'est avec tout le monde, nous avons un résultat. Et je dis à la fait comme ça, un mois, et puis il est là, il a été PIA, et beaucoup de résultats pour moi, ça, et c'est des résultats d'absentil, nous avons beaucoup de ça. Donc, nous avons besoin de résultats au-delà de parler, au-delà de monter, descendre, au-delà de tout ce qui a perdu temps, énergie, argent, qui a perdu tout, et qui a dépensé. Donc, nous avons besoin de résultats, et moi d'accord avec ça. Merci à tout le monde qui t'a assisté, merci à tout le monde qui t'a posé question, et qui t'a suivi, et de ça. Nous allons poser là l'hiver, nous venons avec deux invités, non, qui c'est un sénateur Patrice Dumont, le même Libal Gayo, gars, sous agissement conseil. On regarde ce qui est au mot de l'ULI, donc qui est extérieur à faire là, j'imagine, bien entendu, et qui parle de nous comme un, pendant un mois ça, l'agissement et conseil de l'État.